Ici Kofi Olomide, je voudrais vous parler de ce qui se passe en Libye, mais beaucoup plus de ce que nos dirigeants africains noirs sont sans action, sans réaction par rapport à cela, à cet esclavage en 2017. Mais je voulais quand même saluer l'initiative de Claude Issiard, notre frère, qui a déclenché cet élan de protestation auquel moi je suis très fier d'adhérer. Je voulais aussi saluer le grand frère, la superstar, Alpha Blondy, dont j'ai suivi le discours ce jour. Je voulais épingler deux choses, au risque peut-être de vous choquer. J'ai remarqué que les pays africains du Nord se font appeler pays arabes et très peu pays africains. Moi, j'étais en Tunisie et les gens, en me souriant, me disaient, vous les Africains, ceci, vous les Africains, cela. Ces frères africains, mes frères africains, de mon point de vue, ne se sont jamais sentis aussi africains que nous, les Africains noirs. C'est un secret de Polichinelle. Je suis désolé si je choque certains. C'est dire que si ce qui se passe en Libye, aux yeux et aux su de tout le monde, se passe, c'est parce que les Africains des pays arabes d'Afrique n'en ont rien à foutre d'être africains. D'ailleurs, parmi les enfants esclavagisés, les enfants vendus, il n'y a aucun enfant tunisien, algérien, libyen, égyptien. Vous ne compterez que des noirs africains. Donc, personnellement, ceci ne m'étonne pas. J'ai souvent dit dans mes discours, dans mes interviews, dans nombre de pays africains, que l'Union africaine n'était qu'un rassemblement de nos chefs pour les intérêts personnels. Ça fait des années, il vous souviendra, que j'ai dit par exemple, pourquoi il y a toujours des frontières entre nos pays africains noirs? Pourquoi il n'y a pas une monnaie commune entre nos pays africains noirs? Mon discours, je le sais, a été entendu. J'ai eu la chance, le privilège d'en discuter avec nombre de ces chefs d'État et ces dirigeants. Ils n'en ont rien à faire. Ça ne sera jamais leur priorité. J'ai souvent dit, on ne peut pas être fort en Afrique si on n'est pas uni. Mais rien n'arrive. Et je vous assure, et si nous continuons avec nos dirigeants actuels, avec cet état d'esprit, rien n'arrivera. L'Afrique ne sera jamais la maison de ces enfants que nous sommes. Est-ce que vous pensez que, après ce que Claude Issiard a déclenché, après ce que Alpha Blondy a dit, et après ce que moi je suis en train de dire, quelque chose va se passer sérieusement? La Libye a ses dirigeants, ils en pensent quoi? Mais je ne désespère pas. Je ne suis pas de la race des perdants. Et je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. C'est ainsi que moi je demande aujourd'hui à vous, mes frères, à nous, les Africains noirs, de nous prendre en charge, d'aller au combat, de montrer que nous ne sommes pas des mineurs, des moins que rien, et de ne pas laisser vendre nos enfants comme ça se fait aujourd'hui en Libye. J'ai des idées, comme beaucoup d'autres. Je préfère ne pas en parler encore publiquement. Et j'appelle de tous mes voeux que je rencontre Claude Issiard, Alpha Blondy et les tant d'autres pour pouvoir en discuter. Une fois de plus, Africains noirs, sachez que vous êtes des noirs africains. Et que vos frères dans l'Union africaine, du Maroc, de l'Égypte,
la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie ne sont pas pressés d'être vos frères. Moi, ils m'ont appelé quand on discutait tout à fait naturellement. Vous, les Africains, quand vous faites ceci, quand vous aimez cela, c'est tout vous dire. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ne laissons pas continuer cet esclavagisme en 2017. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je m'appelle Kofi Olomide.